une différence entre la liberté de la femme en Tunisie, en Algérie, au Maroc, et puis en Égypte. C'est pas du tout la même, ou même en Syrie ou en Iran. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, en fait ? Enfin, l'évolution de tout ça. Non, écoutez, si je me réfère, à une époque que j'ai très bien connue et à laquelle d'ailleurs j'ai participé en tant que citoyenne, à l'époque du président Boumédiène qui était au pouvoir de 1965 à 1978, lui, il a toujours encouragé l'émancipation de la femme. Il a fait que des femmes qui étaient, par exemple, des jeunes filles qui étaient au Mzab, qui ne connaissaient pas l'école, aillent à l'école. Il a ouvert les portes de l'université aux femmes. Et même lors de son dernier séjour, pendant sa maladie en Union soviétique, où la majorité du corps médical à ce moment-là était féminin, il me disait, voilà, entre nous, voilà tout ce que je souhaite pour nos femmes. Baraket min mashakil zina, c'est-à-dire les problèmes de beauté, mais je veux qu'elles soient toutes instruites et qu'elles aient des postes qu'elles mériteront par la suite. Voilà, Boumédiène était pour l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai eu l'occasion aussi de m'en rendre compte dans notre vie privée, parce qu'il ne m'a jamais dit « tais-toi, tu ne connais rien », alors que moi j'étais à ce moment-là profane dans les coulisses de la politique, mais il m'écoutait toujours, et puis parfois il disait avec indulgence « mazal tisrira la matkebri tfahmi », tu es jeune, mais quand tu vieilliras, tu comprendras. Et ce qui fait que je me sentais plus comme un jeune frère à son égard que en tant que femme. Voilà, j'ai été une des 15 premières femmes algériennes inscrites au barreau d'Alger, c'était très rare à l'époque. Et au début, peut-être que les confrères regardaient d'un œil, pas condescendant, mais après, quand vous savez vous tenir, quand vous vous montrez très sérieux dans votre travail, on ne peut que forcer le respect.